Après 3 matchs officiels de Luis Enrique, est-ce que tu es déjà convaincu par le technicien espagnol? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu es convaincu par le jeu de Luis Enrique? Est-ce que Luis Enrique te fait déjà saliver? Est-ce que son jeu te donne de la confiance? Déjà, le premier match face à Lorient, on a vu un pressing très très haut. Lorient qui avait du mal à ressortir le ballon. Il a fait la même chose face à Toulouse à la deuxième journée. Mais sauf que face à Toulouse, Kylian est entré en seconde période et c'est lui qui a débloqué le match malgré un pénalty stupide causé par Hakimi. Ça faisait un but partout. Dans les 2 premiers matchs, le PSG a fait match nul. Premier match, 0-0. Deuxième match, un but partout. Et là, il y avait déjà un peu des critiques, notamment au niveau des supporters. Troisième match face à Lens, il a fermé la bouche pour l'instant. Il a fermé la bouche pour l'instant. Le PSG s'impose facilement 3-1 face à Lens avec un match spectaculaire de Kylian. Déjà, c'est que moi, je vois de Luis Enrique, c'est intéressant. Par rapport à Galtier, c'est vrai que Galtier, les premiers matchs étaient flamboyants, mais on voyait que ça n'allait pas tenir. On voyait que ça n'allait pas tenir pour Luis Enrique, ça allait tenir la route. Après, soyons mesurés. C'est rien que le début de la saison. On va voir ce qui va se passer par la suite. Laissons le temps au temps. Partagez votre ressenti en commentaire. Est-ce que pour l'instant, tu es emballé, tu es séduit déjà par le jeu de Luis Enrique, pas son système de jeu, pas sa philosophie de jeu. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos, les amis. Sinon, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.